Salut, bienvenue dans le nouveau studio de montage. Voilà, le petit bureau pour que Benjamin puisse travailler tranquillement dans l'atelier. Le premier épisode, on avait fait l'ossature et on avait fait le gros œuvre. Et ce coup-ci, on fait toutes les finitions. Venez voir. Ta-da ! Alors, un petit récap vite fait de ce qui se passe, ou plutôt de ce qui s'est passé. J'ai mis de l'isolant contre le mur du fond, j'ai mis de l'isolant sur le dessus de la mangeoire. Il manque encore des petits bouts ici. Alors, au niveau de l'isolation, il y a 160 mm de laine de bois là à gauche. Et plus à droite, il y a de la récupération avec du chanvre et de la laine de mouton mise en plusieurs épaisseurs de façon à laisser sortir les tuyaux de chauffage là-bas en bas et puis de pouvoir faire le trou. Je vais mettre un frein vapeur, ça va pas être un frein vapeur, ça va être un pare-pluie en fait sur la surface, de façon à ce que dans les petits jours qu'il va y avoir entre les lames de sapin, on voit un peu une couleur sombre en tout cas. C'est la seule chose que j'ai, c'est du pare-pluie gris. Alors pour ceux que ça dérange de me voir mettre un pare-pluie au lieu d'un pare-vapeur, sachez que j'irai en enfer pour bien pire que ça. Dans le coin, là, il va y avoir un meuble jusqu'au plafond, une sorte de colonne avec tous les équipements informatiques, les disques, les serveurs, les machins, les trucs, l'onduleur. J'ai prévu une entrée d'air qui vient de dehors dans la rue et il y aura une extraction de l'intérieur de cette colonne vers l'atelier. Et pour cette boîte, là, je vais mettre juste de l'OSB au fond, ça va être caché de toute façon. Donc voilà, OSB. Comme je suis un peu joueur, je vais encastrer les prises RJ45 dans le mur. J'ai des prises à monter. Ça va être un peu folklore à faire, mais ça sera mieux. Les deux premières sont en place, c'est du sapin brossé et je vais finir et je vais pouvoir mettre le radiateur. Après, tout le reste en découle, ça sera aligné sur le premier tout autour de la pièce, sauf là derrière moi. Super beau! Et puis là, avec ça, ça va couper les échos, le son, ça va vraiment améliorer le son dans cette petite pièce. Allez, il n'y a plus qu'à faire l'autre côté. Là, c'est plus compliqué parce qu'il y a des purgeurs automatiques. Enfin, je vous emmène pas là-dedans. Déjà, c'était suffisamment galère de faire celui-ci. Voilà, j'ai horreur de ça. Alors, j'aurais bien aimé tout faire en cuivre par des plombiers, mais les plombiers, ils sont complètement indisponibles. J'en avais un peu sous la main, mais voilà, il est parti dans le Pays Basque. Et donc, ben voilà, multicouche et raccord rapide. Donc, voilà, c'est pas tip-top, mais au moins on aura chaud. Mais quelle est donc cette matière que tu mets à l'extérieur de ton studio? Eh bien, c'est du contreplaqué filmé que j'achète chez Ducrobois à Clermont. En fait, c'est des chutes qu'ils vendent. Ils ont un client qui leur achète beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière. Et à chaque fois, ils ont une chute de 25 cm par 2,50 m. Ça vaut une misère. En gros, c'est plus ou moins 1 euro du mètre carré, voire moins. Je ne sais pas exactement le tarif, mais enfin, ça coûte absolument rien. Donc, j'en achète de temps en temps un lot. Il y en a toute une pile là-bas en bas et je les utilise pour de l'aménagement comme ça, pour faire des gabarits, pour faire tout un tas de choses. Et en bardage extérieur, ça ira bien. Encore un peu de laine de bois dans les doublages.
Là, il y a juste 6 cm. J'en ai mis un petit peu partout. J'ai fini les parties qui sont au-dessus du plafond. Ici, je suis en train de le faire au-dessus de la porte. Et là, j'ai fini ici en bout de travée avec un petit panneau de contreplaqué filmé noir pour fermer. Isolation. Bon. 60 mm de laine de bois que je vais compléter avec 40 mm de laine de mouton. D'abord parce que c'est tout ce que j'ai trouvé de disponible en laine de bois dans des petites épaisseurs. Et puis ensuite parce que j'avais du mouton disponible en 40. Donc voilà, 6 et 4, 10 et ça fera l'affaire. Malheureusement, la laine de mouton, là, les panneaux, ils font 60 de large, alors que les autres, ils font 58. On met normalement l'ossature à 57, histoire de les compresser un tout petit peu. Mais là, voilà, ça baille un peu. Bon, ça va être tenu par le frein vapeur, et puis ça va être bien comme ça. C'est doux. Les clips, ils n'arrivent pas à attraper la planche. C'est vraiment un peu juste. Allez, vas-y! Allez, ce coup-ci, c'est pas du Legrand, c'est du Schneider. C'est à peu près pareil, hein, très honnêtement. Sauf que le petit transfo avec deux prises USB, il coûte 20 balles au lieu de 30 balles ou 40 balles même peut-être chez Legrand. Je vous mets un lien en dessous si jamais ça vous intéresse. Et là, il y aura un RJ45. J'ai équipé avec du catégorie 7, histoire d'être à jour pour les évolutions futures. Donc là, évidemment, il y a le parafoudre dans la maison. Le circuit qui va être dans le placard là derrière moi, il va être protégé par un onduleur en plus, parce que c'est là-dedans qu'il y aura les ordi et les disques. Voilà, pour l'Ethernet, je vais le faire un peu plus tard. On va tout faire en même temps. Voilà! Thank you.
bardage extérieur, je vais continuer à mettre du sapin vertical cette fois-ci, et puis je vais laisser la place pour la fenêtre. Dernier bout de laine de mouton. Alors ça présente beaucoup d'avantages cette laine de mouton, sauf le tarif, parce que ça coûte horriblement cher, mais sinon à installer et à mettre en place, c'est quand même pas mal. C'est pas très très facile à couper, il faut un couteau à kebab comme ça, mais sinon ça marche très très bien. Ici dans le coin du bureau, les isolants ils viennent l'un contre l'autre comme ça, de façon à pas avoir de pont thermique, ils sont pas comme ça, il n'y a pas un grand vide dans le coin, il faut vraiment les faire venir l'un sur l'autre. Donc là ça passe derrière, si j'arrive à le rentrer, voilà. C'est solide. Allez, dernier morceau. Bon, maintenant, il faut faire un cadre extérieur pour tenir le carreau en place. Ça va être simplement siliconé contre le cadre. Il y aura une petite feuillure qui va juste habiller la petite bordure, là. Et puis voilà, un petit espace pour accueillir le cadre. Allez, découpe. Allez, au suivant. Allez, maintenant un petit cadre avec une feuillure pour accueillir le bord de la vitre. Allez, un bout de tilleul pour faire le cadre. Oh.
Ça y est. Pose la caméra, viens m'aider. Bon, ben voilà. Et ben, il n'y a plus qu'à faire le plancher maintenant. Pose du plancher, je commence par étaler par terre et les coller avec du silicone de ces panneaux de contreplaqué filmé. Là, c'est 15 mm, donc j'en ai mis plusieurs épaisseurs ici. Et ici, je mets des épaisseurs qui sont rabotées, je l'ai passé à la raboteuse pour avoir la bonne épaisseur, parce que la dalle est en pente. C'était une étable ici avant, donc il y a la pente pour sortir le lisier, et il faut que je compense ça. Et ensuite, il y aura un film mousse, je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin un film mousse et le plancher flottant dessus. C'est pas du super plancher flottant, mais ça ira. Donc voilà, je commence par réduire mes épaisseurs. Alors, je me suis fait une petite pige et je la balade un peu partout pour avoir la même hauteur partout. Là, par exemple, je sais qu'il faut, je rajoute 15 mm à peu près. Plus loin, il va falloir que je joue entre deux épaisseurs et donc je l'ai passé à la raboteuse pour trouver l'épaisseur pile poil. Et puis, ça ira bien comme ça. Bon, faut que je trouve un bout de seuil pour l'entrée du petit studio pour faire le joint avec le plancher flottant. Tiens, là. Du vrai chêne. Là, c'est bon. Et en longueur, c'est bon. Allez, go! Allez, en avant. Ah, trop lent. Mais quelle misère, putain. Alors oui, normalement, il faut laisser la place ici pour un joint de dilatation pour que ce panneau-là il puisse s'étendre dans tous les sens. Là-bas, il y a des petites cales contre le mur. Et là-bas, en fait, il y a de l'espace. Le bardage mural là, du pied du mur, il va descendre au-dessus du plancher. Donc là-bas, ça peut coulisser un peu. Et ici, je vais le fixer.
Tant pis, ça coulissera que dans un sens là. Mais normalement, il faut laisser 6-8 mm de jour avec un petit seuil en alu. Mais j'ai pas envie de mettre un seuil en alu, c'est trop moche. Donc voilà, c'est comme ça. Bon, ben voilà, un plancher flottant en plastique. Je suis toujours pas très emballé par l'affaire, mais bon, c'était pas cher au moins. Je vais continuer ici sur le petit rebord. Je vais passer les deux bottes qui me restent sur le rebord. Ça permettra de se débarrasser déjà de cet OSB et puis d'avoir un support pour poser le meuble ensuite. Bon, allez, ça recommence. Bon, de dire que j'aime pas ça, c'est vraiment un euphémisme. Hein. Je vais décoller cette lame pour soulever un tout petit peu, 3-4 mm, même pas 2 mm, que je puisse passer dessous et faire le joint là au bord, et puis tenir un peu cette première lame. Oh, j'ai quand même pas défait le radiateur. Et des petites vis magiques. Alors ça, c'est des vis à bardage en inox, mais j'ai rien d'autre. Évidemment, ça fait pas le joint. Bon, bah je vais mettre du silicone après et puis des masses dessus. Aïe ! En plus, ça coupe ces machins. Allez, maintenant le bardage mural de la dernière rangée en bas, juste pour faire le raccord avec le plancher. Allez, dernier bout de bardage. Finition brossée, je ferai pas ça sur une maison entière, mais bon, pour un petit bureau comme ça, finalement c'est vraiment tout à fait accessible. Ça me prend 3-4 minutes pour chaque panneau, mais ça vaut vraiment le coup. C'est beaucoup plus chouette après qu'avant. Là, il y a des traces de sillage et tout ça, c'est pas dramatique, mais ça donnait un petit quelque chose. Il va falloir quand même passer un bon coup d'aspirateur sur les murs avant d'amener l'informatique, mais vraiment c'est chouette. Je regrette pas de m'être lancé là-dedans. Voilà, alors c'est la première étape contre les malandrins. La deuxième étape, c'est qu'on va changer la porte d'entrée. Et puis la vitre là, il y aura du verre blindé. Et puis il y aura aussi, dans une troisième étape, il y aura une alarme sur l'ensemble du truc. Je vous détaillerai pas l'ensemble de l'opération, mais quand même, on fera ça ensemble. Alors, venez voir le petit studio.
Voilà, là, ça y est, c'est fini. Il reste à faire quand même le meuble de coin où va y avoir les serveurs et tout le bazar informatique. Et puis sur les trois murs qui restent, il y aura de ce plaquage qui vient de chez Finsa. Ils m'ont contacté il y a quelques temps, c'est les concurrents directs de Valcromat, pour plaquer les murs. En gros, ce mur-là et le mur bardé en Douglas là derrière, ça va être bardé avec ces panneaux qui sont très très jolis. En gros, ces panneaux, c'est du médium haute densité teinté dans la masse et qui sont obtenus par emboutissage, c'est-à-dire que cette forme, elle n'a pas été usinée à la CN, elle est vraiment emboutie sous presse, et c'est vraiment super beau. Il y a plusieurs dessins qui m'ont proposé, mais voilà, j'ai gardé celui-là. On y reviendra dans un deuxième temps sur l'aménagement final de cet atelier. Mais en gros, et voilà, il va y avoir des panneaux comme ça, qui vont faire le retour avec la vitre ici, et puis le plaquage externe partout. Donc sur les trois bouts de mur qui restent, et ça va finir d'isoler du son et du bruit. Je pense que ça va être super chouette. Il va y avoir aussi le meuble de coin fait avec ces panneaux de Twin Color de chez Finsa. C'est du médium haute densité, deux couleurs, et quand on entaille le noir, et ben on se retrouve avec du rouge derrière. Et je vous ai préparé un dessin, une texture qui permet de révéler le rouge, ça va être super beau. Mais ça viendra plus tard. Et voilà, je suis bien content de la façon dont tout ça s'est sorti. Le bardage, je suis très très content. L'espace intérieur, ça a beau être un petit peu petit, mais on arrivera à travailler correctement là-dedans. Je procrastinais un petit peu pour pas avoir à brancher le radiateur tout de suite, mais là, bon, il va falloir que je le fasse. Benjamin, sinon, il va se cailler les miches là-dedans. Je vous emmène pas avec moi parce que déjà, je fais pas ça comme il faut, je suis pas plombier, et ensuite, c'est pas passionnant, très honnêtement. On va se retrouver aussi assez bientôt pour un meuble de cuisine avec un évier. En fait, c'est chez ma mère qui m'a demandé de lui refaire son coin évier cuisine avec le frigo, le meuble qui est en dessous. C'est un petit peu complexe, donc c'est pour ça qu'on va aborder ça sur la chaîne, parce que c'est déjà c'est microscopique, on dirait un appartement parisien alors que c'est une maison d'Auvergne. Mais voilà, donc il y aura quelques éléments un petit peu nouveaux dans une fabrication de cuisine sur ce projet-là. On se retrouvera normalement, j'espère, samedi prochain avec ça. Allez, à ciao, bonsoir.